Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a créé l'être humain et il l'a invité à son adoration. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Allah Azza wa Jal lui a prescrit plusieurs adorations, plusieurs types, plusieurs catégories d'adoration qui sont censées lui faciliter la vie sur terre et lui procurer la joie de l'au-delà, la joie de l'éternité. Nous savons très bien que l'être humain est constitué de plusieurs dimensions. Il a un corps avec lequel il agit. Il a une langue avec laquelle il s'exprime verbalement. Il a une raison avec laquelle il discerne et il réfléchit. Et il a un corps, un cœur avec lequel il ressent les choses. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a invité l'être humain à se soumettre à lui, donc il a mis à sa disposition plusieurs adorations. Et chacune va influencer une dimension ou deux dimensions ou trois de l'être humain. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a diversifié les catégories des adorations rituelles. Il a instauré la prière, il a instauré le jeûne du mois du Ramadan, il a instauré al-zakat, il a instauré le pèlerinage, il a instauré le rappel, al-dhikr, et d'autres adorations, puisque chacune va toucher à une catégorie de ces quatre ou cinq dimensions que possède l'être humain. Et c'est avec cet ensemble, avec cette batterie d'adoration rituelle, que nous arrivons à nous soumettre tout entièrement à Allah Azza wa Jal, à soumettre les différentes dimensions à notre Seigneur. Et comme vous le savez, nous sommes à quelques heures ou à deux jours du mois du Ramadan, ce mois béni qui est tant attendu par la majorité des musulmans sincères. Il n'y a pas un musulman qui soit âgé ou jeune, il n'y a pas un musulman qui soit véridique sans qu'il n'aime l'arrivée du mois du Ramadan. On attend avec impatience le mois du Ramadan. Les compagnons nous ont appris qu'il faut à chaque fois invoquer Allah Azza wa Jal en disant « Seigneur, fais-moi parvenir jusqu'au mois du Ramadan et facilite-moi les choses pour que je puisse le jeûner et que je puisse veiller ces nuits à te prier. » Tout ceci, c'est pour dire que ce mois du Ramadan reste un repère très intéressant pour la spiritualité du musulman pendant chaque année. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a pris l'habitude d'annoncer la bonne arrivée du mois du Ramadan et d'inciter les musulmans à s'y engager corps et âme pour puiser tout le bienfait qu'Allah azza wa jalla a prêté aux croyants pendant ces quelques jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, lorsque vient la première nuit du mois de Ramadan, les démons sont enchaînés. Et dans une version, les démons rebelles sont enchaînés. Toutes les portes de l'enfer sont fermées. Il n'y en a pas une qui reste ouverte. Et toutes les portes du paradis sont ouvertes. Il n'y en a pas une qui reste fermée. Et un lanceur d'appel lance un appel en disant « Ô toi qui veux faire du bien, accours, viens vers le bien, viens faire ce mois béni. Et ô toi qui veux faire du mal, cesse. » Et chaque soir, Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. En commentant ce hadith, l'imam al-Qadi, Iyad rahimahullah, il dit ce hadith, on peut le comprendre de deux manières. Soit le comprendre dans son sens vrai, dans le sens apparent et réel. Autrement dit, les huit portes du paradis sont bel et bien ouvertes pendant le mois du Ramadan. Et les sept portes de l'enfer sont bel et bien fermées pendant le mois du Ramadan. Et les démons sont bel et bien cadenassés et ligotés pendant ce mois béni, afin qu'ils n'influencent pas négativement les croyants. Donc on prend le hadith par rapport à son sens réel. Et il dit, on peut prendre le hadith dans son sens figuré. Autrement dit,
Tellement Allah Azza wa Jal a mis à la disposition des croyants une multitude des adorations, telles que le jeûne, qui est l'adoration principale, la veillée des nuits du Ramadan, qui est aussi une adoration principale pendant ce mois béni, la sadaqa, la générosité pendant ce mois-ci, l'i'tikaf, l'umra, et ainsi de suite, tellement il y a de bienfaits, que quelque part, c'est comme si on a ouvert toutes les portes du paradis aux croyants. Et donc, il suffit que le croyant saisisse une ou un groupe de ces adorations-là pour qu'il puisse accéder au paradis à travers une de ces portes. Nous savons très bien qu'il y a la porte d'Orayan qui est destinée à ceux qui jeûnent. Il y a la porte de la prière, il y a la porte du pèlerinage, il y a la porte du savoir, il y a la porte du jihad et ainsi de suite. Donc, quelque part, donc c'est le sens figuré. Toutes ces portes-là sont ouvertes pour accueillir ceux qui veulent accomplir les obéissances et les pratiques religieuses. Et les portes de l'enfer sont fermées. Pourquoi ? Parce que c'est un mois où le musulman se détourne des péchés, il se détourne de l'égarement et il essaie de montrer le meilleur de lui-même. Et à partir de là, quelque part, c'est comme si l'enfer n'a pas de client pendant ce mois béni. Parmi les musulmans, bien entendu, il n'a pas de client, donc elle ferme quelque part ses portes parce que ça ne sert absolument à rien. Il n'y a pas un musulman véridique qui va commettre des péchés pour qu'il puisse lui ouvrir ses portes. Donc c'est le sens seulement figuré. Mais d'une manière ou d'une autre, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle ainsi, que ce soit dans le sens réel ou dans le sens figuré, c'est pour nous inciter et nous enjoindre à accomplir les bonnes œuvres et à fournir le maximum d'efforts afin de prendre le maximum de réserves qui vont nous servir pour l'au-delà. Chers frères et sœurs, l'imam muslim rapporte sur Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les 5 prières obligatoires. Le vendredi jusqu'au vendredi suivant, et le mois du Ramadan jusqu'à celui qui lui suit, sont des actions qui expient les péchés commis entre elles, tant que l'on évite les grands péchés. Bien entendu, les grands péchés, pour qu'ils soient expiés, il y a des conditions à satisfaire, comme la vraie repentance, le grand regret, la détermination à ne plus jamais commettre le péché, et le fait d'essayer de rembourser celui envers qui, ou bien de demander pardon envers celui envers qui on a commis le péché. Mais concernant les petits péchés, Allah Azza wa Jal a mis tout un dispositif rituel à travers certaines adorations qui a pour objectif de nous nettoyer ces petits péchés. Les 5 prières ont pour objectif de nettoyer les péchés qu'on commet entre elles. Voilà pourquoi il est important d'accomplir chaque prière à son heure. Celui qui rassemble toutes les prières, il n'a pas cette chance-là. Tu rassembles telle prière avec telle autre prière. Donc comment veux-tu expier les péchés qu'il y a entre les deux ? Il n'y en a pas. Lorsque tu rassembles toutes les prières en un seul moment, c'est que les péchés que tu as accomplis pendant la lignée, par exemple, tu as accompli les prières jusqu'à la fin de la soirée, les péchés que tu as accomplis dans la journée ne vont pas être expiés. Les petits péchés ne seront pas expiés. Parce qu'il fallait accomplir chaque prière à l'heure pour pouvoir les expier. Et bien entendu, nous savons très bien que nous autres musulmans, nous n'accomplissons pas les prières comme il le faut tout le temps. Il y a des prières dans lesquelles on a l'esprit ailleurs, dans lesquelles on est distrait. Il y a des prières dont on ne respecte pas l'heure. Il y a des prières pour lesquelles on vient accomplir la prière alors que nos ablutions n'ont pas été bien accomplies. Donc pour que les prières justement expient les péchés ou absout les péchés, il faut qu'elles soient bien accomplies. Donc à supposer qu'elles n'ont pas été bien accomplies, donc on a une deuxième chance. Là, je l'ai mis à notre disposition une deuxième chance. C'est la prière du vendredi pour expier ce qui reste comme petit péché. Mais lorsqu'on ne vient pas au vendredi, ou lorsqu'on vient au vendredi à reculons, seulement pour se débarrasser du poids de l'accomplissement du vendredi, on attend la dernière minute pour venir, pour dire ça y est, j'ai accompli mon devoir. On a la tête ailleurs. Comment voulez-vous que ce vendredi va servir, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à expier les péchés que tu as accomplis pendant toute la semaine? Donc, à supposer que la prière du vendredi n'a pas joué ce rôle-là, par notre faute, bien entendu, on a encore une autre chance à la fin de l'année, c'est le mois du Ramadan. Lorsqu'il est bien accompli comme il le faut, enfin les prières avec son jeûne, avec ses prières, et ainsi de suite, dans ce cas, il va expier tout ce qui est resté comme petit péché pendant l'année écoulée. Donc regardez comment Allah Azza wa Jal manifeste sa générosité et sa clémence envers ses serviteurs et comment il leur met des stations d'épuration au quotidien, chaque semaine et chaque année afin
de les nettoyer de leurs péchés et afin qu'ils reviennent à l'au-delà sans avoir de lourds péchés sur lesquels ils doivent rendre compte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il soit humilié, celui auprès de qui on m'a cité sans qu'il n'accomplisse des prières sur moi. Qu'il soit humilié. Ensuite, il a dit qu'il soit humilié celui qui a atteint le mois du Ramadan. Et ce dernier s'est achevé alors que ses péchés n'ont pas été absous. Qu'il soit humilié. Il avait une chance. Il n'en a pas profité, donc qu'il soit humilié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'invoquer Dieu contre cette personne-là. Et qu'il soit humilié celui qui est parvenu à avoir ses deux parents ou un de ses deux parents qui sont devenus âgés auprès de lui et qui n'en a pas profité pour se faire pardonner ses péchés. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ces trois choses, il est en train de nous dire que vous avez trois outils qu'Allah azzawajal a mis à votre disposition pour vous faire pardonner tous vos péchés antérieurs. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois tu entends le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam cité, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas être économe à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est que lorsque le mois du Ramadan te parvient, tu dois fournir le maximum d'efforts pour que tu en sortes libéré de tes péchés. Et lorsque tu as la chance d'avoir tes deux parents ou un de ces deux parents, tu dois être tellement bienfaisant envers eux que tu vas garantir pour toi le paradis. Et si bien entendu tu ne profites pas de ces trois occasions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que tu sois humilié. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque part rejette ce genre de personnes qui ne profitent pas de ces trois chances qu'Allah azzawajal met à leur disposition. Regardez, chers frères, tout ce qu'on a cité comme hadith jusqu'à maintenant, parle du mois du Ramadan, indépendamment de ce qu'on accomplit pendant ce mois béni. Il est béni déjà par lui-même, parce qu'il y a des personnes parmi nous qui ne peuvent pas jeûner le mois du Ramadan, par exemple. Quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui a une maladie qui ne lui permet pas de jeûner, une femme qui est peut-être en grossesse et qui ne peut pas jeûner, ou une femme qui allaite et qui ne peut pas jeûner. Donc, est-ce qu'on va dire qu'ils ne vont pas profiter du mois de Ramadan? Non, tout le monde peut profiter du mois de Ramadan. Sa sacralité réside en lui-même. Et ses bienfaits et ses mérites résident en lui-même déjà. Mais ce qui en fait un mois béni, c'est qu'il est considéré comme un réceptacle de plusieurs actes, de plusieurs adorations que les musulmans sont invités à accomplir. Et les deux meilleurs actes que l'on puisse accomplir pendant le mois du Ramadan, c'est le jeûne pendant la journée, et les prières nocturnes, la lecture du Coran pendant la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de ces deux adorations, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad al-Hakim, le jeûne et le Coran se dressent comme intercesseurs en la faveur du croyant le jour du jugement. Ainsi, le jeûne dit, « Seigneur, j'ai empêché ce serviteur de manger et de courir derrière ses plaisirs pendant toute la journée. » Donne-moi l'autorisation d'intercéder en sa faveur. Et Allah Azza wa Jalla lui donne l'autorisation. Ensuite, le Coran se dresse et il dit, Seigneur, j'ai empêché ce serviteur de dormir tranquillement pendant toute la nuit. Parce qu'il a passé toute la nuit, une grande partie de la nuit, à prier en me récitant. Donne-moi l'autorisation d'intercéder en sa faveur. Et Allah Azza wa Jalla lui donne l'autorisation. Donc vous voyez bien, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait part de ces hadiths, c'est pour nous dire, ne soyez pas économes pendant ce mois béni. Alhamdoulilah, la majorité arrive à jeûner, donc sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Mais encore faut-il respecter certaines exigences et convenances du jeûne, comme le fait de ne pas dire des futilités, le fait de ne pas s'énerver, et ainsi de suite. En plus, bien entendu, de l'abstention de manger, de boire et d'avoir des rapports charnels. Mais pendant la nuit, combien parmi nous maintenant ils disent, parce que la prière de l'Isha vient tardivement, donc on va diminuer un peu de Tarawih, on va dire seulement 3-4 versets. La lecture du Coran pendant la nuit doit t'empêcher de dormir tranquillement pendant la nuit, ou une grande partie de la nuit du moins. C'est dans ce cas-là où cette prière-là va intercéder en ta faveur. Donc nous sommes dans un mois où on doit fournir le maximum d'efforts, où on ne doit pas être économe. Et vous voyez bien que cela fait 2 ans maintenant, on n'a pas pu accomplir Tarawih dans nos mosquées à cause de confinement. Et Allah Azza wa Jalla nous a donné encore cette chance cette année-là de pouvoir prier ensemble. Donc l'occasion nous est donnée et c'est pour cela qu'il faut en profiter
au maximum en espérant qu'Allah Azza wa Jal agrée nos œuvres et qu'Allah Azza wa Jal nous compte parmi les affranchis de ce mois béni. Chers frères et sœurs, on a parlé du jeûne pendant le mois du Ramadan et on a dit que c'est l'adoration principale de ce mois-ci. Allah Azza wa Jal d'ailleurs, il réserve lui-même la récompense. Autrement dit, c'est lui qui s'occupe de la récompense pour ceux qui ont jeûné ce mois béni. Autant nous savons à l'avance la récompense pour chaque acte, le hasana se multiplie par 10 lorsque tu accomplis un acte béni, tu as 10 hasanas, voire 700 hasanas lorsque par exemple il s'agit de sadaqa. Mais s'agissant du jeûne, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui s'occupe de rembourser et qui s'occupe de donner les hasanas. Et lorsque c'est lui qui s'en occupe, c'est pour quelque part dire, nous dire qu'il va être encore plus généreux que ce qu'on a l'habitude d'avoir à travers les autres adorations. Et voilà pourquoi nous devons observer le jeûne des journées du mois du Ramadan bien comme il le faut, en respectant toutes les convenances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prescrit, qu'on aura l'occasion de détailler dans d'autres occasions. Mais concernant bien entendu aussi la lecture du Coran, ou bien les veillées nocturnes à prier avec le Coran, là aussi c'est un acte béni, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui veille les nuits du Ramadan, iman al-uhtisaba, iman al-uhtisaba », ça veut dire avec foi, parce qu'il croit en le mérite de ces prières-là. Wahtisaba, ça veut dire qu'il attend la récompense d'Allah Azza wa Jal. Je le fais en attendant d'Allah Azza wa Jal qu'il me récompense. Celui qui le fait de cette manière, Allah Azza wa Jal lui absout tous les péchés qui sont passés. Tous les péchés qui sont passés. Donc là aussi, il faut qu'on fournisse le maximum d'efforts pendant ce mois béni pour les prières nocturnes. Et si on n'avait pas la chance de prier ensemble dans les mosquées les deux années précédentes, et chacun de nous a essayé de faire un effort pour le faire chez lui, c'est l'occasion maintenant de remplir encore les mosquées, de revenir aux mosquées, puisque cette année on pourra accomplir, Inch'Allah, Salat At-Tarawih. Et ça, c'est une des grandes bénédictions qu'on a reçues depuis que cette épidémie a commencé. Donc c'est l'occasion justement de retourner aux mosquées et de remplir les mosquées avec la lecture du Coran et avec la compréhension, l'effort intellectuel pour comprendre le Coran. Et bien entendu, il n'y a pas que ces deux adorations. Il y a plus, comme on a dit, le mois du Ramadan, c'est un réceptacle de plusieurs adorations, comme la générosité financière ou par l'alimentation. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme disait Abdullah ibn Abbas, était le plus généreux des hommes. Il était le plus généreux des hommes, mais pendant le mois du Ramadan, il était encore plus généreux. D'autant plus qu'il rencontrait Jibril alayhi salam avec lequel il révisait le Coran et il étudiait le Coran. Puisque c'est le mois du Coran par excellence. Et donc c'est le mois où on doit donner une importance capitale pour le Coran à travers sa lecture, à travers sa compréhension et son étude. Et pendant ce mois-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très généreux. Donc pour parler de quelque chose qui est pratique, ici même dans cette mosquée-là, l'année dernière, alhamdoulilah, on a remarqué une générosité sans précédent pendant les autres mois de Ramadan qui sont passés. Nous avons réussi l'année dernière à collecter pas moins de 46 000 euros qui a été collecté dans cette mosquée pour subvenir aux besoins des jeûneurs, notamment les étudiants dans les cités universitaires, et pour nourrir aussi certaines familles qui sont dans le besoin. Seulement pour vous donner quelques chiffres, pour que vous sachiez ce qu'on fait comme action, et vous êtes derrière ces actions-là. Donc 46 000 euros a été collecté l'année dernière, 9 000 repas ont été distribués. On distribuait 300 repas par jour. Et il y avait, et je tiens justement à rendre hommage à tous les frères et sœurs qui ont participé à cette action, parce que c'était comme une fourmilière ici à la mosquée, les frères qui passaient tout l'après-midi à préparer des repas chauds et à ramener leurs camionnettes et à partir les distribuer dans les cités universitaires. C'était un travail fastidieux, mais alhamdoulilah, nous ne pouvons qu'en être fiers d'avoir des hommes qui sont à la hauteur. Et donc nous tenons vraiment à les remercier sur cette action, ceux qui ont travaillé par leur corps, ceux qui ont donné de leur temps et ceux qui ont donné bien entendu l'argent, parce que sans l'argent on n'aurait pas pu faire cette activité. On a distribué 160 colis pour des familles,
Et lorsqu'on parle d'un colis, c'est un colis qui est bien garni, qui est bien garni, qui peut subvenir aux besoins alimentaires de la famille au moins pendant une semaine, voire 15 jours. On a distribué 160 colis et on a distribué 480 colis pour des mineurs qui sont dans des cités ou bien dans des foyers destinés aux mineurs. 480 colis pour des mineurs qui viennent d'autres des pays africains, ainsi de suite, et qui sont dans certains foyers. Donc on a eu un accord avec certains foyers pour distribuer des colis alimentaires là-dedans. Et Inch'Allah, on va renouveler cette action pour cette année-là, sauf que cette année, il y aura une particularité, c'est qu'on va organiser la rupture du jeûne ici même à la mosquée, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et nous allons distribuer des colis alimentaires, et rien qu'hier, les frères ont déjà distribué plusieurs kilos de dattes dans des cités universitaires pour des étudiants, et cette opération, Inch'Allah, continuera, et on compte sur votre générosité pendant ce mois béni pour faire réussir cette opération.